Salut les gamers, donc on continue tout de suite après la fin de la première mission. Continuez. Ok, alors. Ok, ensuite c'est quoi ça? Ok, alors pour ceux qui n'auraient pas joué à StarCraft 1, elle c'est Sarah Kerrigan et c'était la copine de Raynor. Elle était sur une planète qui s'est fait attaquer par les Zergs. Et le grand chef Mentk l'a sacrifié. Ah, et maintenant, et du coup aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est plus une humaine, c'est elle qui est devenue la chef des Zergs. Et oui, elle a un peu beaucoup changé. Viking. La révolution, c'est un passe-temps.
direct des studios de l'UNN sur Coral. Pour un flash spécial, nous retrouvons notre envoyé Kate Lockwell en duplex de la périphérie sur le monde de Marsara. Kate ? Merci, Denis. Le rebelle Jim Raynor vient de faire un retour fracassant. Il a attaqué un dépôt du Dominion près de la station de Nulle Part, où il s'est emparé d'une réserve d'armes qu'il a distribuée à la population locale. Kate, je parie que les gens du coin sont effrayés par la présence d'un célèbre hors-la-loi dans leur quartier. En fait, Denis, les gens que j'ai pu interroger avaient l'air plutôt réconfortés. Merci, Kate. Nous sommes les premiers à le dire. Jim Raynor terrorise les habitants de Marsara. Après la pause, vos enfants prennent-ils des stimulants? Vos enfants se droguent-ils? Ok, bon, on a cliqué partout où on pouvait cliquer. Allez, on va voir la mission. Ok, donc maintenant, mission 2, hors la loi. L'objectif, récupérer l'artefact Xenaga. Et comme on récupère et on va le vendre à quelqu'un, si on réussit la mission, on gagnera de l'argent. On a une nouvelle unité, c'est le médic. Ça sert à soigner les marines. Ou d'autres unités, celles qu'on pourrait avoir. Toujours en du brutal, on y va. On dirait que ce vieil avant-poste n'a rien de spécial. Exit party. Ça fait des mois que les ingénieurs du Dominion creusent ici. Tu vois cette rue? Ils s'apprêtent à déguerpir avec l'artefact qu'ils ont trouvé. Non, c'est vrai. Tu vois, faut avoir un peu plus la foi, Jim. Très bien. Il est temps de se rappeler au bon souvenir du Dominion. Anéantissons cette base et emparons-nous de ce joujou. Ok, bah espérons qu'elle n'est pas trop gardée, hein. Pour que la mission se passe bien et facile. En tout cas, je vais essayer de faire mieux que la première mission en évitant de prendre un game over. Mais en même temps, ils m'ont pas prévenu que si je n'avais pas rushé au bout d'un moment, je perdais mon armée. Ok, alors tout de suite, eux, c'est les collecteurs. On les envoie ici. On en fait des nouveaux qu'on envoie là. Donc là, c'est les cristaux, c'est l'une des ressources. La deuxième ressource, c'est le gaz. Il va nous falloir beaucoup de marines avant de pouvoir attaquer. Ça, c'est les marines. Formez-les à la caserne. Vas-y, construisons. Des VCS supplémentaires nous aideront à collecter le minerai plus rapidement. Ok. Là, y a rien. Ça, c'est des ressources sur la carte. Il suffit de marcher dessus et on peut les ramasser. Donc on fait rapidement le tour de la carte pour voir s'il n'y en a pas. 4 contre 4. Ok, on a aucune chance, on se casse. C'est pas du 4 contre 4 en fait, c'est un peu du suicide. Ils nous poursuivent. Ok, on va attendre parce qu'en fait il faut beaucoup plus de monde. Alors toi tu veux tout de suite me faire une deuxième baraque. Toi tu vas me faire un dépôt. Quand t'as fini ton dépôt tu vas là. Quand t'as fini ta baraque, tu retournes bosser là. Tu me fais des marines, tu me fais des CS. Faut vraiment... Dans ce jeu, un truc aussi important, c'est l'économie. Il faut absolument toujours construire en non-stop des collecteurs, des collecteurs, des collecteurs. Faut jamais que ça s'arrête. Pour l'instant, hop, pareil. Et les dépôts, il en faut aussi rapidement en continu. Il faut éviter de tomber en rate de dépôt. Donc là, je vais faire des marines en continu, des collecteurs en continu. Faire des marines sur deux casernes, ça permet d'en avoir deux fois plus vite. Ok, je relance un collecteur. Je relance un marine. Toi, quand t'as fini ça, tu vas me balancer directement un nouveau dépôt. Voilà, tac. Donc, les marines, s'ils sortent deux par deux, c'est évident, c'est meilleur. Ok, ensuite, on va se lancer dans le gaz. Pour développer le nouveau type d'unité. Voilà, du coup, tira dedans après. On continue de faire des VCS. Les marines, ça se fait en bouton A. Ok, pour l'instant, c'est bon. Ok. Oh, comment je l'ai feinté. Allez, refais-moi des collectes des VCS. Enfin, des marines. Là, tu fais des VCS en chaîne. Tout de suite, il me faut une nouvelle case, un nouveau dépôt. Allez, marine. Marine,
VCS. Hop, vous deux, vous allez au gaz. Non, ramenez votre thune, puis vous allez au gaz. Donc là, je vais former le groupe 1. Bon, cette fois-ci, avant d'aller aider la base rebelle, je vais d'abord foncer là-haut. Alors, première chose, on va sniper le médic. Voilà, ensuite, c'est chacun pour soi. Tac. Oh, punaise. Oh, comment j'ai pris cher. Mais on prend les ressources. Et du coup, on va se prendre en nez là maintenant. Donc on va tout de suite un point de ralliement ici. Ok, hop. Une nouvelle caserne. Tu tireras là. Toi tu me fais directement un nouveau dépôt. Toi tu continues de faire ça. On rajoute des marines. Il en reste combien là? Ouais, ça va, mon groupe il est pas trop mauvais. Ça me permet d'enchaîner. Allez, on avance. Ils sont 3, on peut y aller. Ok, y'a rien. On va se cacher. Voilà. On les prend sur la pente, normalement on a l'avantage. Hop. Ça, vu comment je gagne de la thune, il me faut absolument un nouveau truc. Plus je gagne d'argent, plus il me faut de casernes pour les produire, pour produire mes unités, c'est sûr. Oh là là, ça va être chaud là. Tout de suite, on donne la priorité, on tue les médics. Moi, j'ai cliqué trop vite. J'arrive pas à le tuer. Non, je veux pas mourir. Ah, j'ai réussi, j'ai perdu le truc, dommage. Allez, 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 mec, ramenez-moi du monde là, parce que j'ai perdu cette base rebelle. Quoique non, hop, je vais ruser. Est-ce que je pourrais la sauver à temps? Ok, ça veut dire que j'ai vraiment pas ce qu'ils font à cette caserne. Je suis un peu rouillé, ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Non, c'est pas. C'est quoi, c'est S? Est-ce que j'ai des cristaux ailleurs? Non. Ah si, j'ai des trucs de ressources là, dommage. Ma caserne elle est comment? 179. Toi vas-y, va la sauver. Donc comme elle est en feu, il faut absolument la réparer pour pas qu'elle explose. Toi tu vas construire ici. C'est dommage que j'ai pas réussi à sauver mes médecins. Sauver les rebelles, bah je les ai sauvés une fois, c'est déjà pas mal. Après, moi je pense que pour la mission j'ai tout ce qu'il faut en VCS. Ça va, alors ici je veux un annexe qui me permet justement de faire les médecins. Alors qu'il se passe comment là? Ok, nickel. Alors, toi pareil, tu me fais un annexe. C'est bon, le bâtiment est plus en feu, il n'y en a plus besoin. Tac, tac, tac. Puis vous partez là-bas. Allez, on bombarde parce que là, franchement, on a pas beaucoup de trucs et j'ai même beaucoup trop d'argent. Ça veut dire qu'encore une fois, j'ai pas assez de construction. Ces deux-là, ça fera ça. Tac. Encore un. Encore un. Là-dedans, j'ai rien. Tac. 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 Médecin, médecin, médecin. Là, j'ai beaucoup de marines. Ce qui me manque, c'est des médecins. Ah, ça y est. Là, c'était le texte des médecins. Envoyez-nous des marines en plus. Ce sera déjà ça. Eh, chopez-le, chopez-le. Ah, il est trop vite pour nous, on l'aura pas. J'ai vraiment un grand manque de médecins. C'est que je me fais quelques médecins et puis on y va. Donc là, mes ressources, on voit les cristaux, c'est pas illimité. Quoique peut-être, j'arrive pas à cliquer sur eux. Normalement les cristaux c'est pas illimité, mais peut-être que là ça a été illimité. Bon bah c'est bizarre ça. Alors là ça me fait quand même... Là j'ai une belle armée. Donc je vais tenter d'approcher la base ennemie. Alors ce qui compte surtout c'est que j'ai des médecins qui soient opérationnels. Pour l'instant il n'y a rien du tout.
Là, ça se passe bien. Oh putain, ça c'est chaud par contre. Eux, il faut super les... Eux, c'est super dangereux. Parce que les tourmenteurs, si je me souviens bien, c'est vraiment des unités qui sont très très efficaces contre l'infanterie. Donc on avance et tac. Priorité de tourmenteur toujours. Le bunker, c'est juste un truc où il y a des unités dedans. Joli nettoyage de bunker. Allez, allez. Allez les mecs, allez, 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 allez. Ok, normalement c'est passé. Voilà, c'est bon, là on craint plus rien. Il y a même plus de problème de micro parce qu'on est de toute façon on est beaucoup trop nombreux pour eux. Du coup, hop, on fait directement les troupes là-bas. Voilà, on se pointe là. Allez, va tout de suite, mec. Ça se passe pas trop mal. Ah, il y a un tank. Carrément, les mecs, ils ont un tank dans la mission 2. Alors, comme il est en mode siège, on va au corps à corps. Il peut plus attaquer. Ensuite, on va buter les collecteurs pour être tranquille. Ok. Putain, mais... Un tourmenteur encore. Allez, butez-moi le tourmenteur. Bon, en fait, on va buter en priorité la caserne. L'usine. Butez-moi les collecteurs, allez. Non, c'est... J'ai fait tous les boutons, sauf le bon. Revenez ici. Non. Il y a vraiment... Ah, tourmenteur. Les marines. Les collecteurs. Collecteurs. Usine. Là, il me faut que des marines. Donc, je commence encore. Je recommande une bonne vague de marines. Vous, faut venir vous taper. Allez, on aura gagné quand on aura buté toute leur base. Bon, faut dire que normalement, là, ils n'ont aucune chance vu qu'ils produisent sur deux casernes et moi, je produis sur beaucoup de casernes. Non, ça va. Alors, l'état diminue, donc ils doivent pas être illimités. Alors, ce qu'on va faire, on va tout mettre sur un bâtiment. Puis, tout mettre sur le bâtiment suivant. Ah, il a quand même réussi à faire marine, attends. Encore un marine. Voilà, c'est fait. Ensuite, on tue le collecteur. Parfait. Vu qu'ils n'ont plus ni caserne ni usine, il suffit de nettoyer la zone. Ah, on tue les dépôts. Ah, j'ai... Ouais, bon, certes, j'ai réussi à atteindre ma limite, mais bon, allez, ton tuto aussi. C'est fini. Et voilà la victoire. Il n'y aura pas eu de game over. Merveilleux. Maintenant, un coup de treuil pour choper cette saloperie et on se tire d'ici. Ok, donc victoire. Alors, réussir tous les objectifs, c'était fait, il me semble. Sonnante et trébuchante, collecter toutes les palettes. Non, j'en ai raté une dans le camp rebelle, donc ça, je l'aurais pas eu. Et réussir la mission hors la loi en difficile. Ben, je l'ai fait carrément en brutal, mais par contre, c'est pas en moins de 10 minutes. J'ai un peu traîné, j'ai perdu la main, je l'avoue. Ok, donc, merci de m'avoir suivi. On arrête ici l'épisode 2 sur la victoire de la deuxième mission. Allez, ciao tout le monde!